Ну такая, может быть, take an effort, вроде там хуйня. Или dangerous position. I mean, even if I just try to. Simply try to change something to penetrate, even something exists. But okay, then at least I'm already. Yeah, but still, I mean, I'm 95 or something, or 25 or something, I'm still not so sure that you're going to touch it. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo abonnée. Nous allons aujourd'hui regarder la partie qui s'est déroulée à Corus 2010, il y a quelques jours, entre Vladimir Kramnik, ancien champion du monde, et Peter Leko. Et il faut savoir que ces deux grands maîtres sont extrêmement forts. L'un a été champion du monde, je vous le disais, l'autre s'est battu pour le titre. Ils sont amis dans la vie, ils ont été bien très proches à Bonn lors du dernier championnat du monde, puisque Peter Leko a secondé Vladimir Kramnik. Donc les deux joueurs se connaissent parfaitement, ils ont joué à maintes reprises et donc nous allons regarder leur partie qui a été très intéressante. Vladimir Kramnik 2788 Elo et Peter Leko 2739 Elo. On va commencer par le premier coup de Vladimir Kramnik qui est bien le principal D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier F3. Donc cavalier F3 c'est le coup principal de Vladimir Kramnik qui évite ainsi la défense Nimzowicz. Il joue d'ailleurs à maintes reprises la catalane, donc si ici les noirs jouent D5, eh bien il y a G3, et donc Kramnik, l'un des spécialistes, voire le spécialiste au monde, peut rentrer dans la catalane. B6 a été joué par Leko, G3, x6, donc là on est dans la défense ouest-indienne, très connue. B3 a été joué par Kramnik, alors il y a deux coups principaux dans cette position, il y a soit B3, soit Dame C2, et sur Dame C2, eh bien ça implique un sacrifice de pion, après fou B7, fou G2, et sur C5, eh bien, il y a beaucoup de très forts grands maîtres qui jouent ici D5. On sacrifie le pion D5, il y a énormément de théories, donc je ne vais pas rentrer dans toutes les variantes, mais en tout cas, eh bien, B3 est une solution un peu plus calme de la part de Kramnik. Fou B4 échec a été joué, fou D2, fou E7. Alors on peut se demander pourquoi et on fait échec, pourquoi on ne fait pas fou E7 d'abord? Et bien simplement pour poser une question au fou D2, puisqu'il est mal placé, il faut maintenant le mettre en C3 pour jouer ensuite cavalier BD2, puisque après la poussée C5 des noirs, le pion blanc D4 serait alors eh bien, mal défendu. Donc après fou G2, Leko joue C6 et obtient ainsi une structure de pion très solide, puisque l'idée maintenant des noirs est de jouer D7, D5 et de taper sur le pion C4. Fou C3, comme je vous l'ai dit, a été joué. Quelle est l'idée de fou C3? Et bien sûr, D5, comme dans la partie, il y a maintenant cavalier BD2. Le cavalier D2 protège le pion C4 avec donc l'appui du pion B3. Cavalier BD7 a été joué, donc c'est le coup de la partie. Ici, Kramnik a joué à maintes reprises cette position, notamment contre Leko. Dame C2 est le coup de la partie. On peut aussi noter Petit Roque qui a été joué il y a très peu de temps entre Humpy Koneru, la numéro 2 mondiale à l'Elo, contre Sargissian. Sargissian est un grand maître arménien, membre de l'équipe olympique. Et après Petit Roque, eh bien, on joue tour 1 avec les blancs et on essaie de se libérer en jouant E2 et 4 et de libérer la diagonale H1 à 8 pour le fou G2 qui est un petit peu enfermé derrière les pions noirs C6 et D5. Donc au dixième coup Dame C2, Leko a joué le naturel C5. Et il y a eu également une partie Kramnik Adams jouée à Dortmund en 2001 qui a été petit roque au dixième coup. Et après E4, fou B7, petit roque, tour C8, tour F1 a été joué avec un tout petit avantage blanc, un avantage symbolique car la position noire est vraiment très solide dans cette position. Donc au dixième coup C5, Kramnik a le choix entre jouer C prend D5 ou D prend C5. Et maintenant il va eh bien, décider de garder une structure de pion solide à l'aile dame en jouant D prend C5, B prend C5. Et on s'aperçoit maintenant eh bien, que les pions A2, B3 et C4 sont solides, se maintiennent, il n'y a pas de pression. Et ce sont maintenant les noirs qui vont devoir faire attention au pion D5. Puisque le fou en G2 tape indirectement sur ce pion, la diagonale est relativement faible, et on voit les deux fous blancs fianchetto C3 et G2 qui sont très menaçants. Donc aux échecs, il faut faire petit roque, il faut protéger son roi, c'est ce qu'on vont faire les deux joueurs avec leur 12e coup. 13, fou B2 a été joué, fou B2 c'est un coup une nouvelle fois cohérent, puisque maintenant sur D prend C4, il y aurait
cavalier prend c4 et on s'aperçoit que les blancs auraient maintenant une meilleure structure de pions. On voit ici en vert les pions A2 et B3 contre les pions A7 et C5. Il faut savoir qu'aux échecs, eh bien, on compte les pions par îlot, c'est-à-dire que si on a deux îlots de pions, eh bien, c'est mieux que trois îlots de pions. Et ici, c'est le cas puisque les noirs ont trois îlots de pions avec le pion C5, A7 et la chaîne de pions à l'aile roi. De plus, le cavalier C4 a vraiment de très bonnes perspectives dans cette position, notamment la case D6, si on venait à jouer tour D1 suivi de cavalier D6. Tour C8 a été le coup de la partie, et maintenant Kramnik joue logiquement tour FE1 pour se libérer donc avec la poussée E2, E4, c'est la poussée logique dans cette position, et l'écho, ici, va commettre la première erreur de la partie qui a été sévèrement critiquée à l'analyse post-mortem par les deux joueurs. Il fallait absolument garder cette chaîne de pions et ne pas avoir peur d'une prise en D5. On pouvait jouer par exemple fou B7, ça a été le coup suggéré par l'écho à l'analyse. Et après, tour AD1, dame B6, et essayer de tenir ce centre de pions C5, D5 en jouant tour FD8, cavalier F8 et en gardant la pression puisque maintenant sur E4, on peut prendre en E4. Pourquoi D4 est une faute? C'est vraiment une faute stratégique, il n'y a pas de combinaison tactique, puisque après fou B2, eh bien, la structure de pion noir n'est pas bonne. On va maintenant menacer E3 comme dans la partie, et une question se pose, on ne peut pas jouer E5, cela ferait trop de trous sur les cases blanches, et après D prend E3, et eh bien voilà l'idée de Vladimir Kramnik, l'idée stratégique positionnelle, c'est de jouer le coup étrange à première vue. À première vue, F prend E3, pourquoi étrange? Je viens de vous dire qu'il ne fallait pas beaucoup d'îlots de pions, et Kramnik, en jouant F prend E3, s'en crée un sciemment. Pourquoi? Eh bien, l'idée est de jouer E4, E5. Mais on va laisser la parole aux acteurs qui vont vous expliquer en détail toute cette position. I thought that I had a very promising position after the opening, and I mean, this is a very interesting plan to take with a pawn on E3, which is pretty original. Usually you take with a piece, with a rook. And then I'm trying to push e4, e5, and he was trying to stop it, so it was a very, very complicated game. Somehow I made a very big mistake in the opening. I played some d4, and then after e3, d3, he had this chance to play fe3, and suddenly I realized that my position is strategically lost, and basically, I mean, just a very bad position, so I have to try to... because he can just play strategically e4, e5, and then go knight e4, and my position will be just hopeless in long term. He was always having some only moves to defend, I mean, in all lines, at least according to my calculation. Have to check it with the computer now, but we also in the postmortem, we couldn't find any way to break through for white, and then with all these only moves, which he was keep on finding, he managed to escape somehow, and at the end I think it was a well logical repetition of moves. So I was forced to find only moves, and really by some unbelievable miracle I managed to save the position. Les abonnés peuvent retrouver la fin de cette partie dans leur rubrique habituelle. À bientôt.